à tous, c'est Angel038 et on se retrouve sur ma carrière sur F1 2014 sur le circuit de Sochi en Russie pour cette manche du championnat sur ma carrière. Je pars de la 18e place, hein, vous l'avez vu, j'ai complètement foiré mes qualifications, j'étais pas dedans, hein, donc j'ai fait de la merde clairement. Et donc la grille de départ, hein, pour les 10 premières places, les deux Mercedes qui partiront en tête avec Hamilton devant Rosberg, Ricciardo qui part 3e, Bottas 4e, Massa 5e, Vettel 6e, Alonso qui part à la 7e place, Button 8e, Magnussen 9e et 10e Sergio Perez. Au niveau des arrêts au stand, je vais partir avec les pneus options. Je m'arrêterai au tour 8 pour chausser des pneus prime et on s'arrêtera une nouvelle fois au tour 18 pour chausser à nouveau les pneus options. Allez, on va rejoindre la grille de départ et on est parti pour un grand prix en 50%. Espérons qu'il soit plutôt intéressant. Donc on est parti pour 27 tours dans la joie et la bonne humeur. Et c'est parti, le départ est donné, j'arrive à plutôt bien m'extirper de la grille de départ. Je reviens sur Maldonado ici qui a plutôt patiné lui. La première courbe, je serre bien à droite. Et il va falloir faire attention au premier freinage. On arrive à plusieurs de front ici. C'est un peu un paquet qui arrive ici à ce freinage. J'arrive à gratter un petit peu des places, je me faufile dans des trous de souris. Pas d'accrochage, pas de sortie de piste pour l'instant. Dans les premiers tours de roue. Là je suis complètement à l'extérieur et là je me plante à l'intérieur. Il y a Magnussen qui est un petit peu en perdition. Hein. On a Perez qui aussi a été gêné par une Toro Rosso. La Toro Rosso de Kiat et je me retrouve, tiens, 9e derrière mon coéquipier. Alonso, hein, après ces quelques virages. Je dirais que ça fait plutôt plaisir de me retrouver à si bonne place. Je viens de gagner pas moins de 10 places en l'espace de quelques virages. Ça, c'est les bugs des départs que l'on connaît très bien sur les anciens opus de Codemaster et qui sont plus d'actualité sur les F1 2015. C'est vrai qu'on avait cette capacité à gratter énormément de places sur les départs. Attention, ça sort large et j'ai failli percuter la Force India de Perez en revenant sur la piste. Un peu de prudence. Allez, le petit train qui est emmené par qui est en tête d'ailleurs, puisque j'ai l'impression que Rosberg aussi a un peu loupé son départ. C'est Hamilton qui emmène le petit wagon tranquillement. Et on rentre dans le tour 5 maintenant, Bottas qui signe le meilleur temps en piste, Fernando Alonso qui lui n'est plus devant moi maintenant, vous pouvez le constater, c'est Magnussen qui a pris la 8e place. Et derrière je suis toujours sous la menace de Perez, qui tente sa chance dès que l'occasion se présente pour tenter des dépassements. Alors pour l'instant je perds un petit peu le contact avec les pilotes de tête, hein, tout simplement parce que j'ai la voiture qui commence déjà à avoir les pneus fatigués. Et du coup ça se ressent dans la conduite et en plus il va falloir que j'économise de l'essence. Et Perez ici qui tente encore une nouvelle fois sa chance. Là, on va arriver dans la zone de DRS et ça ne m'étonnerait pas qu'on trouve le pilote mexicain tenter sa chance pour un nouveau dépassement. Ça va être un peu court, hein, quand même. Et il essaye de doubler ici à l'extérieur, mais comme je suis à l'intérieur dans le virage, ça ne passe pas. Il a même failli se faire passer par la Lotus qui le précédait.
passé mélange pauvre pour pouvoir récupérer ce déficit en carburant. On va garder ça sous le nez. Faire un dos, s'est débarrassé des deux pilotes qui étaient devant lui. Et il est en train de revenir sur Rosberg là actuellement. Ouh, Pérez ici à l'intérieur, la quintante au freinage du virage là à droite, qui est venu se blottir à l'intérieur pour tenter un dépassement et qui n'est pas passé du coup et qui a perdu deux places hein, littéralement, puisque c'est Grosjean qui a récupéré sa position et ainsi que Button. Grosjean ici qui va tenter sa chance, je pense. Voilà, un gouffre s'est créé clairement avec les pilotes de tête. Il va falloir vraiment travailler fort hein, pour arriver à y revenir dessus. Mais j'y crois même pas du tout. Parce que là, les pneus sont clairement en train de s'effondrer. Hein. J'ai de plus en plus de mal à garder la voiture avec une conduite linéaire. De patinage à l'air accélération. Un Button ici qui va tenter sa chance, il va essayer de décroiser, mais ça ne passe pas pour l'instant. Voilà, voiture qui glisse de partout. Alors on va plonger dans la ligne des stands, c'est pas la peine d'insister, on va aller changer les pneus et vite. Et on casse un bout d'aileron là. Tellement la voiture ne tient plus. Pouh là là, que c'est laborieux, on va perdre en plus du temps dans les stands avec le changement d'aileron. À moins que le stand n'avait pas prévu d'aileron et du coup on repartira avec l'aileron partiellement cassé. Non, non, les stands avaient prévu un aileron et du coup c'est un arrêt qui me coûte la place que j'avais réussi à tenir sur Button. Enfin bref, c'est pas grave. On repart donc à la 14e place, derrière Button, il va falloir qu'on aille chasser le pilote de la McLaren. On va tâcher de faire ça au mieux. Allez, on en finit avec le tour 11, on va rentrer dans le tour 12 maintenant. Et je continue mon petit bonhomme de chemin à essayer de revenir sur Jenson Button qui est juste devant moi ici, avec une seconde 8 d'avance. On y travaille, hein, doucement mais sûrement. Il va falloir que j'arrive à revenir sur le pilote de la McLaren parce que je compte bien, à moins, finir dans les points. Partant de la 18e place, ça serait plutôt pas mal. J'attaque vraiment hein, sur les vibreurs, là je coupe un petit peu les virages dans la limite du raisonnable pour revenir sur Button. C'est vraiment au millimètre. Un peu de pluie qui est annoncée dans un quart d'heure, ça c'est peut-être la bonne nouvelle du jour. Peut-être un safety car, qui sait. Et là on arrive à la fin du 12e tour, là je suis très proche de Button, là j'ai bien gagné du terrain. Voilà, donc là maintenant on est vraiment dans les échappements de Button, on a l'aspiration, on va pouvoir passer à l'attaque. Allez, avec le DRS et ça passe. Keep warming the tires.
Et donc c'est Pérez hein, qui aura fait la bonne opération hein, qui était dans le petit wagonnet de tout à l'heure hein, qui lui aura gagné quelques places puisque en ayant perdu deux places suite à une petite erreur d'appréciation pour un dépassement sur moi, et il se retrouve devant tout le monde. Et on attaque avec le tour 15. Et donc maintenant je suis sous la menace de Button hein, puisque mes pneus sont en train de s'effondrer d'un coup. Hein. Je viens de passer un tour de galère hein, où j'ai perdu énormément de terrain sur Pérez et où j'ai vu Button revenir comme une fusée derrière moi. Donc on est dans le tour 15 et les stands qui m'annoncent que d'ici une quinzaine de minutes il devrait y avoir de la pluie faible. Donc ça devrait arriver pour la fin de la course si ça se trouve. Pas d'inquiétude à avoir pour le coup. Et vous regardez derrière, j'ai Button et Hülkenberg qui sont là. Et avec les pneus qui s'effondrent littéralement, ça devient un peu compliqué à contenir les deux pilotes. Sachant que Button ainsi a accès au DRS et qu'ils veulent donc tenter un dépassement. Il est à l'extérieur ici. Faire attention ici, pas se toucher. Il n'insiste pas, il lâche l'affaire et ici j'ai loupé mon freinage et du coup Button s'est engouffré et a tenté le dépassement immédiatement imité par Hülkenberg qui prend l'avantage sur Button et ici avec le DRS il va certainement y avoir une autre tentative de dépassement. Non, ils n'ont pas osé et on retrouve de nouveau Magnussen devant moi à la 9ème place. Il s'est fait déposer par Pérez, j'ai l'impression. Les McLaren ils sont en délicatesse on dirait. Oula, oublié de freiner ici pour la courbe. Et du coup Hülkenberg qui revient comme une fusée dans mes rétroviseurs, ce qui est logique. Là, je fais que des erreurs, là j'ai vraiment un manque de concentration certain. En fait j'attends la pluie. Et on est dans le tour 17 et j'ai l'impression que Magnussen devant a un problème avec sa monoplace puisque. J'ai le sentiment de revenir assez rapidement sur lui. Aurait-il un problème avec sa boîte de vitesse? Manquerait-il une vitesse? Parce que dans les secteurs rapides, j'ai l'impression de revenir très fort sur lui. Ouais, c'est un problème plus général sur sa monoplace, regardez. Peut-être une casse moteur à prévoir pour le pilote de la McLaren. Et derrière Hülkenberg qui s'impatiente, qui cherche la petite porte pour s'en faufiler et essayer de s'échapper. On va le voir ici, on est sur un secteur rapide, attention derrière Hülkenberg. Il tente sa chance, il passe hein, avec le DRS. J'ai l'impression que c'est plus un problème de frein là, qui occupe notre problème, notre pilote McLaren ici. Avec Hülkenberg c'est chaud. Puisque il y a eu une petite passe d'armes là dans la chicane. Allez, on est en passe de gagner encore une place là sur Magnussen. Alors qu'est-ce qui se passe sur la monoplace du pilote McLaren? L'aspiration ici, je devrais même avoir accès au DRS. Et me voilà donc 9ème, juste avant d'entrer au stand. La pluie qui devrait s'inviter d'ici la fin de la course, mais sous forme d'une petite pluie, alors est-ce qu'il y a de quoi s'inquiéter? J'ai pas forcément l'impression. Allez, on va s'engouffrer dans les stands à la fin du 18ème tour. Essayons de ne pas faire comme tout à l'heure avec les pneus qui étaient complètement cramés, de se payer le mur. Là pour l'instant, tout se passe bien. Derrière, c'est un peu la cohue, hein, Magnussen qui retient littéralement les deux voitures qui étaient derrière.
Il y a un arrêt qui se passe plutôt bien. Et je ressors à la 11e place. Enfin, je suis pas encore sorti des stands en même temps. Attendez. Ça y est, c'est bon, il me libère. Le temps qui devient de plus en plus menaçant. Alors attention, je ressors côte à côte avec... Ouh, il y a un aileron par terre ici. Il y a une monoplace qui a perdu son aileron et je me retrouve derrière Hülkenberg, là, derrière. Avec les pneus tendres plus frais que Hülkenberg, normalement ça devrait le faire. Je devrais lui tenir tête à la réaccélération. Et voilà le blessé, c'est Gutiérrez. Puisqu'on le voit, sa monoplace qui est littéralement ralentie. Sans aileron avant, l'IA a tendance à rouler au ralenti tout simplement. Là, ça fait encore une petite place de grappiller. Personne dans les stands pour l'instant. Derrière, c'est littéralement la cohue. Puisque Gutiérrez a dû bloquer un petit peu toute la compagnie. Et là, on va gagner encore une place. Hein, puisque Magnussen ou Pérez est dans les stands. Ah, le ciel qu'elle est légèrement devenu beaucoup plus menaçant. Et la pluie qui commence à tomber. J'ai aperçu quelques gouttes. Donc, voyons voir comment l'IA va réagir face à ce changement de météo. Moi, pour ma part, je vais tenter de rester en piste. Si cette dernière ne devient pas trop impraticable. Et je viens d'établir mon meilleur temps au tour avec un 1.44.919. C'est la première fois du tout week-end que je passe la voiture au-delà de la barre des 1.44. Et on est dans le tour 23 maintenant, et la pluie continue à tomber et commence à s'échapper un petit peu d'eau des pneus. L'IA n'a toujours pas réagi, elle ne souhaite toujours pas rentrer au stand pour chausser des pneus intermédiaires. Donc, soyons prudents, derrière nous avons Hülkenberg qui revient de l'ordre de 1 seconde par tour. Il n'est plus très loin maintenant. Il va falloir faire attention au retour du pilote de la Force India. La pluie ne s'arrête pas de tomber et par endroit elle est bien plus mouillée qu'à d'autres, donc méfiance. Pour l'instant, côté IA, ça s'arrête toujours pas. Hein. Ils sont pas décidés à aller chausser des pneus inter. Là, il reste 4 tours, ça serait vraiment dommage de s'arrêter maintenant pour aller chausser des pneus, j'ai peur que ça me porte plus préjudice qu'autre chose. Alors on va prévoir le coup, on sait jamais, si je vois que la voiture elle commence à devenir compliquée. De toute façon je pense avoir tellement de retard avec les pilotes qui sont devant que je vois pas comment, même s'ils s'arrêtent pour chausser les pneus pluie, je pourrais revenir sur eux. Alors que les leaders s'arrêtent au stand pour chausser les pneus intermédiaires. Si on peut en voir sur la minimap. Ouais,
Je pense que ce serait complètement idiot de tenter de rester jusqu'au bout avec les pneus secs. Parce qu'à mon avis, une fois que les pilotes qui sont derrière moi se seront arrêtés pour mettre les pneus intermédiaires, ils reviendront comme des fusées sur moi et ce sera d'autant plus compliqué de leur résister. Donc on va pas prendre de risque, on va se rentrer au stand. On a Hülkenberg ici qui tente encore un dépassement, alors comme si la pluie ne l'affectait pas, c'est assez hallucinant. Et on rentre dans les stands. On est bien sûr imité par les deux pilotes qui étaient derrière nous. Et c'est parti pour un arrêt collectif. Alors que les leaders vont bientôt nous prendre un tour. Allez, pneus intermédiaires. On repart, on est retenu dans les stands parce que tout le monde rentre, bien évidemment. Chez Toro Rosso, ils ont très mal calculé leur coup, hein, parce que une des Toro Rosso était en train de changer les pneus pendant que l'autre est rentré. Là, pour le coup, ils n'ont pas fait l'opération du siècle. Hein. Allez, c'est reparti pour les quelques tours qui nous restent. Avec une piste qui, cette fois-ci, est bien mouillée. Button qui attaque derrière là, qui arrive et qui se sent pousser des ailes suite à son arrêt au stand. Rappelons à ces pilotes que la piste est mouillée. Et c'est vrai que l'IA arrive à taper des chronos qui sont de l'ordre des chronos sur le sec parce qu'ils sont en intermédiaire sur piste humide. Les stands qui m'indiquent que je peux revenir sur lui, je n'y crois pas une seule seconde. Parce que là, je sais pas ce qui s'est passé le temps qu'on rentre au stand pour aller chausser les pneus intermédiaires, mais j'ai l'impression que le déluge s'est abattu sur le circuit. Et là, c'est plus une petite pluie comme il était annoncé au début de la course, mais alors là, il pleut. Encore un pilote dans les stands. Alors, j'ai cru. Allez, on est dans l'avant-dernier tour. J'ai passé le mélange pauvre pour essayer d'arriver au bout hein, sans tomber en panne. Ça ferait con de faire le coup de la panne juste avant la fin. Attention à la glissade, à la réaccélération. Button qui se promène hein, sous la pluie, peinard, le coude à la portière, en train de fumer sa clope. Pendant que je suis en train de galérer comme un cochon avec ma Ferrari. Et derrière, on a Kiat qui revient. Et qui est pas tout seul d'ailleurs. Allez, on va essayer de pas perdre la dixième place quand même, ce serait dommage de perdre ce petit point, le point de l'honneur. Que le dernier tour va être long. Ça devient complètement glissant, hein. Limite les pneus plus seraient les pneus adaptés à la situation, les full wet. Là maintenant on rentre dans le dernier tour.
En Russie, ça fait pas rigoler hein. Quand il se met à pleuvoir, il pleut. Maintenant d'ailleurs, pourquoi on n'a pas de la neige? Parce que la Russie, généralement, c'est limite le climat polaire là-bas. Alors que Lewis Hamilton s'empare de la victoire sur cette course. Encore hein, les Mercedes qui vont encore faire un carton plein, je le sens. J'essaie de négocier les virages avec une extrême prudence. J'ai aucunement envie de laisser ma place à qui que ce soit. Et d'ailleurs, qui que ce soit, c'est Kiat. Puisqu'il vient de me dépasser. Et il va essayer de se dédoubler ici. Mais non, j'arrive à maintenir la voiture pour lui éviter cette joie. Oh là là, c'est la lutte hein, pour éviter de se faire passer. J'ai l'impression de faire du surplace alors que l'IA a l'air d'une aisance déconcertante. Là, ici c'est Hülkenberg là, qui tente l'extérieur. Il est hors de question que je laisse passer le pilote de la Force India. Oula, tout en glissade ici dans le virage. Et là la réaccélération c'est sport aussi. Hein. Oulala, oulala, ça glisse complètement. Punaise que c'est périlleux, hein. C'est Grosjean qui est derrière, hein. Ça arrête pas de changer, on doit avoir 3 ou 4 voitures qui se suivent. J'ai plus du tout d'adhérence, c'est juste laborieux. Allez, dernière accélération et... Mon dieu, quel enfer cette fin de course. On finit donc à la 10ème place, hein. Donc le petit point de la 10ème place qu'on arrive à sauver in extremis. C'était chaud hein, parce que derrière on avait donc les deux Toro Rosso, la Force India et la Lotus de Romain Grosjean. Si c'est pas plus, j'ai l'impression qu'on avait quand même pas mal de voitures derrière. Et on entend d'ailleurs que j'ai passé la ligne de départ arrivée sur la réserve. Donc Lewis Hamilton s'impose une nouvelle fois sur ce Grand Prix, suivi de son coéquipier, donc encore un carton plein pour les Mercedes. Daniel Ricciardo finit à une bonne troisième place, suivi de mon coéquipier qui finit quatrième. Valtteri Bottas finit 5e, Sébastien Vettel 6e, Felipe Massa 7e, 8e, Sergio Perez 9e, Johnson Button et 10e, moi-même. Ce qui nous donne à l'arrivée pour le championnat du monde des pilotes, Lewis Hamilton qui trône en tête toujours, suivi de mon coéquipier avec 49 points de retard. Nico Rosberg continue à refaire son retard parce qu'il compte plus que 5 points de retard sur Alonso. Pour ma part, je suis complètement décroché du groupe de tête, hein. Je suis à 154 points, donc 134 points de retard, mais derrière on a Vettel qui remonte petit à petit. Il va falloir faire attention, ça va être serré pour la fin du championnat. Puis après on a aussi Massa aussi qui revient, qui est aussi pas très loin de Vettel. Ricciardo aussi qui est aussi potentiellement sur le retour. Et puis après un petit peu plus loin on retrouve Valtteri Bottas, Jenson Button et Kevin Magnussen eux, qui sont bien plus loin. Ensuite on a Nico Hülkenberg, Sergio Perez, Romain Grosjean, Jean-Éric Vergne, Dani Kiat, Pastor Maldonado, Esteban Gutiérrez. Et voilà pour les pilotes qui ont marqué des points pour l'instant depuis le début de la saison. Pour le champion du monde des constructeurs, Mercedes qui est toujours devant, suivi de la Scuderia Ferrari. Red Bull est un peu plus loin à la troisième place, suivi par Williams, McLaren, Force India, Lotus, la Scuderia Toro Rosso, Sauber, Marussia et Caterham. Voilà cette course qui se termine. J'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt pour la suite du mon championnat sur F1 2014. Et en attendant, portez-vous bien. Salut à tous.